à Miguel Montero au Braz, adjoint au maire, au sport, à la vie associative et à la jeunesse. C'est un honneur et on est fiers d'accueillir notre voisin qui joue en national. Ça va être une image pour notre club. Je voudrais remercier aussi la mairie d'Annecy et l'ensemble du FC Annecy qui a tout mis en œuvre et on s'est véritablement bien entendu, même si on ne se connaissait pas en ce début de mandat. C'était qu'Annecy joue dans un stade avec ses couleurs. On a plus de 300 mètres de membrane autour du stade. On a réussi à décorer les tribunes pour que les joueurs, les spectateurs du FC Annecy se sentent aujourd'hui chez eux. Nous avons eu l'autorisation de la Fédé pour utiliser le stade des Grangettes de Rémy ce lundi. Donc depuis cette date, toutes les équipes du club du FC Annecy, mais également le club de GFA, les services techniques de la mairie de Rumilly, de la mairie d'Annecy et les élus de chaque commune sont à pied d'œuvre pour nous permettre d'accueillir cette rencontre dans les meilleures conditions et pouvoir avoir un maximum de public pour encourager les Rouges ce vendredi. Donc on a la commission de sécurité qui vient d'homologuer l'ouverture des tribunes pour ce vendredi et on compte sur vous maintenant pour être tous ensemble derrière les Rouges. Ben voilà, on y est. 48 heures course contre la montre pour transformer les Grangettes toutes en rouge. Hein. On a ironisé début de semaine en disant qu'on ferait tous nos premiers matchs à domicile à l'extérieur. On jouera évidemment loin de nos bases, mais les Grangettes sont toutes rouges et on sera chez nous. Rendez-vous demain. S'il y a une victoire qui est belle aujourd'hui, c'est d'avoir pu réaliser ce match. Parce que lundi midi, le FC Annecy ne savait pas où il allait jouer son premier match en national. Je suis d'accord avec Sébastien Paraguilla. La vraie victoire, c'est déjà d'être là. Et dans le fond, je vais vous faire comme dans les Oscars. Mais je ne sais pas dans quel ordre commencer. Qui il faut remercier tellement de gens ont travaillé à la réussite de la tenue de ce match. Je vais être très franc avec vous, je ne suis pas un grand aficionado de football. Ce soir, j'ai pris beaucoup de plaisir et je vais apprendre. C'est une bonne soirée, je crois que pour une première à nationale depuis 1993, je pense que le club a su gérer avec l'ensemble des collectivités locales déjà la grosse contrainte de pouvoir jouer ce match. On a réussi à le jouer. On ne l'a pas perdu. Je pense que pour les spectateurs et l'ensemble du club, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, nous, on est très contents. Nissan, partenaire du FC Annecy, toujours aussi fier de l'être. On est très contents et vive le FC Annecy.